Salut tout le monde, ici Le Envol qui est là pour l'épisode 18 de la The City. Alors je tourne quand même cet épisode malgré les événements qui se sont passés hier soir à Paris, vu puisqu'on tourne, je tourne cette vidéo samedi en début d'après-midi, pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc il y a eu des attentats à Paris, 7. Nous attendons toujours des résultats parce que beaucoup de personnes sont blessées, dont certaines gravement, entre la vie et la mort. Et je tiens à adresser mes pensées à toutes les familles des victimes et puis à toutes celles qui ont vécu ces événements, qu'ils soient morts ou pas, qu'ils soient blessés ou pas. Et puis, enfin, les pensées, je tiens à adresser mes pensées à tout le monde parce que ça choque tout le monde, pour être plus court. Voilà. Malgré tout, donc le logo, un logo choisi qui traîne beaucoup sur Internet, j'en choisirai un que j'imposerai sur le côté de la vidéo. Voilà, en hommage à eux. Je tiens à dire que nous pensons à eux, malgré le fait qu'on continue nos activités, parce que si on arrête nos activités, c'est même temporairement, signe dommage, c'est donner la victoire aux terroristes. Alors du coup, l'épisode 18 de The City n'est pas déprogrammé. Ça, voilà. Parce que je ne cesserai pas mes activités, même en ces périodes difficiles. Voilà, donc j'espère que je me suis bien fait comprendre. Voilà. Toutes mes condoléances aux familles des victimes. Et je tiens à dire que je fais partie d'une partie de la population qui vont. Enfin, je pense de tout le monde. Hein, tout le monde suit. Suis ça de près à la télé ou sur internet pour avoir des nouvelles. Et je tiens à dire que plusieurs sites journalistiques donnent des adresses de sites officiels pour les familles des victimes qui nous regarderaient, pour avoir des informations sur les évolutions ou pour dire ce que vous avez vu si vous avez été témoin. Et puis pour ceux qui sont dans la région parisienne, si vous ne l'avez pas fait et que vous êtes en bonne santé, faites un don du sang parce qu'ils en ont vraiment besoin. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, faites-le. Voilà, aujourd'hui dans The City, je vais présenter un petit circuit de course de bateau que LT Guigui Giga m'a donné l'idée du nom, la Transat J Jacques Cube. Voilà. Nous avons il y a le petit circuit avec les tribunes à proximité. Ici la ligne de départ. Ouais, je suis à l'alpha 1005, la 0.13 qui ajoute la redstone. Voilà. Ici, il y a un gros parking que j'ai fait il y a un moment. Et ici, c'est l'entrée, hein, tout simplement. Voilà. Et là, ici, c'est un petit immeuble que j'ai fait à proximité. Je vais un peu plus présenter le circuit. Donc c'est un petit circuit de bateau. C'est en voyant une vidéo, je mettrai le lien dans la description, que ça m'a donné l'idée de faire un petit circuit similaire, voilà. Mais que c'est, je sais pas si le circuit c'est eux qui l'ont fait ou si c'est quelque chose téléchargé à la main. Mais en tout cas, ils ont mis en scène une petite course sur un petit circuit. C'était vraiment très sympathique. Et moi, du coup, j'ai décidé de faire le mien à la main dans la map The City, tout simplement. Sur un endroit où j'ai de la place. Voilà. Comme vous pouvez voir, il y a les tribunes, il y a tout ça. Voilà. En gros, c'est ce qui a été fait. Je sais pas, pour être honnête, j'ai pas fait beaucoup de Minecraft ces derniers temps. Voilà. Je vais être honnête, hein, j'ai fait plus d'Infinite Flight. Et puis après, j'étais plus occupé à des activités tierces. Donc ici, voilà. Je montre que j'ai un peu testé le système d'éclairage en redstone. Voilà, avec des systèmes d'inverseurs. Voilà. Donc je voulais vous remontrer un peu tout ça. Voilà, donc il y a un autre studio pour une autre émission de télé. On fera une vidéo dessus ultérieurement. Voilà. Je tiens aussi à faire cette vidéo que je dédicace à la YGF qui atteint plus d'une centaine de membres. Et d'ailleurs, il y a une vidéo que je ferai pour eux, enfin qui est en cours de tournage, 20 minutes sur Infinite Flight, hein, des séquences d'atterrissage et de décollage mis en scène. Hein.
Donc ça va être sympa à voir. Et bien sûr, je la dédie à la des fans de la The City, cette vidéo Wayon Flash YG. Si t'as le temps de la voir, parce que apparemment il a été sur. Il était à proximité de. Il a assisté à l'une des scènes des attentats, d'après ce qu'il nous a dit. Vaut mieux pas vérifier l'alibi quand même, hein, mais ça doit être vrai, hein, honnêtement. Enfin, on le croit, mais bon. Si vous regardez ces vidéos, vous ne le croyez pas, bah moi je vous dis, je préfère pas vérifier. Hein. Mais bon, parce que ça a l'air tellement. Ça va être terrible. Puis bon. C'est le genre de choses que vaut mieux pas vérifier, quoi, on va dire. Voilà. C'est un peu privé, quoi. Voilà, c'est tout. Donc il a dit qu'il enfin, il nous a dit qu'il y était quand même, donc ça l'a choqué. Enfin, lors d'une petite discussion Google Plus sur les YGF. Voilà, donc bon, moi je le crois, hein. Enfin, on le croit, mais bon, on va pas aller vérifier, quoi. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. On dit pas qu'il ment, hein. On dit juste qu'on va pas aller vérifier. Donc, pour ceux qui auraient des doutes, nous, c'est pas à peine de nous demander vérification, on n'ira pas vérifier par respect, tout simplement. Voilà. Bon bah c'était très court et j'espère et tant ouais bah on va faire court hein, on va s'arrêter là et j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour un prochain épisode de The City qui sera plus complet, mais au vu des de ce qui se passe en ce moment et que j'ai aussi une autre vidéo en cours et que j'ai pas eu énormément de temps cette semaine hein, pour raison de DS groupé ou bac blanc de première si vous préférez. Ça dépend de comment vous voulez l'appeler, voilà. Ben, ces raisons-là, j'ai pas eu immense au nombre de temps pour monter, et du coup, forcément, c'est un peu traîné. Bon, ben, je voulais faire comme cet épisode de The City parce que j'avais déjà la semaine dernière, je l'avais déjà déprogrammé, donc malgré les circonstances, je tenais à le faire et je le fais, voilà. Bon, ben, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et j'espère que vous allez bien et on se retrouvera pour une prochaine. Allez, ciao, ciao!